Et on en parle ou pas? C'est bon pour là, j'ai l'action. C'est trop chelou. Mais je trouve super bon. Mais j'ai l'impression que quand j'en mange un, je n'en mange pas. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. J'adore. Mais ce qu'on adore aussi, c'est quand même dégueulasse. Fifi, les essuie-glaces que vous allez avoir dans la tronche pendant toute la séquence, on adore. On est mercredi. Et absolument pas vers le vlog. J'espère que le vlog va fonctionner malgré le fait que les boutons sur la... Accroche-moi ça sur les boutons. Je pense que ça va le faire. Après, j'arrête. Hein. Promis, après, j'arrête. Il est 16h11. Je suis levé à 3h. Je viens de sortir de chez Action. Mais j'ai des trucs. Je finis mon bonbon là. Il fallait que j'achète des trucs pour ce crème Santa qu'on fait avec les collègues de taf. Et je me suis fait quelques plaisirs. Super les plaisirs. Mais bon, je me suis fait quelques plaisirs. Donc voilà, j'ai acheté quelques petits trucs. Dans moins d'une heure, il faut que je reparte pour aller faire ma mammographie, mon échographie de la poitrine. Et ouais. Et c'est un truc de ouf comme je n'ai pas ouvert ce vlog. Mais je sais pas ce qui se passe là. Alors peut-être que je sais ce qui se passe parce que la fille adore s'auto... Bon, désolé, je ne vous regarde plus. Mais la fille adore s'auto-analyser. Mais en ce moment, comme je vous le dis tout le temps, grosse fatigue. Hier, je me suis... j'ai fait un gros câlin à la chouquette et tout. La chouquette, c'est cool parce qu'elle a un lit, une place de grand. Et Chouki, lui, il a un plus petit lit, tu vois, un petit lit d'enfant. Entre deux, là, même si, du coup, je me suis déjà endormie dans son lit. Mais bon, hier, voilà, je fais un gros câlin à la chouquette, un gros câlin d'amour et tout. Et du coup, j'ai ouvert les yeux. Il était 1h30. 1h30 quand j'ai ouvert les yeux. Donc voilà, je m'étais endormie dans le lit. Sachant que j'avais pas pris du tout mon téléphone ni quoi que ce soit. Bah, heureusement que je me suis réveillée qu'il était que 1h30. Parce que sinon, j'aurais loupé le travail. Voilà, on aime, on adore. On adore, on adore. Et sur le chemin pour aller au travail, du coup, à 5h du mat, je me dis, mais attends. Comment il va faire monsieur pour aller chercher les enfants au centre de loisirs? Ça va être compliqué d'aller chercher au centre de loisirs. Parce qu'en fait, la voiture familiale, elle est au garage, tu vois. Donc je me suis dit, mais comment il va faire pour aller chercher des gosses et tout? Je me dis, ah, c'est relou, encore un truc que c'est moi qui dois m'en occuper. Franchement, c'est chiant. Il aurait pu prévoir, blablabli, blablabla. Je m'auto-dis ça dans ma tête, tu vois. Mais en fait, quel est l'intérêt que je rentre chez moi, en fait? Il n'y a peut-être pas d'intérêt que je... Bon, on est parti, hein. Mais parce que là, en fait, je me dis, mais j'ai rendez-vous dans moins d'une heure. Il faut que je parte chez moi. Là, j'en ai pour 20 minutes pour aller chez moi. 20 minutes pour aller chez moi. Je réfléchis en même temps. 20 minutes, j'arrive chez moi, il est 30, moi, je me pose une demi-heure chez moi. Et donc, du coup, je disais que... Ouais, ce matin, je me dis, ouais, c'est chiant, la charge mentale, il y en a marre, rien. Et je me dis, mais comment il va faire pour aller chercher les gosses au centre de loisirs, tu vois? Du coup, je me dis, vu que j'ai plus mes voisins, ils ont déménagé, tu sais. Je vais envoyer un message à la maman d'un ami à ma chouquette. Et je vais lui demander si elle va me prêter sa caisse, juste pour aller faire, alors que je la connais pas plus que ça. Hein. On a fait Halloween ensemble et tout, mais je vais lui envoyer un message pour lui demander de me prêter sa voiture, juste pour aller chercher les enfants, tu vois. Donc je lui envoie un message, je lui dis bonjour, est-ce que c'est possible que vous prêtez la voiture pour aller chercher les enfants au centre de loisirs? Elle me dit, vous avez dû vous tromper de message, de personne. Je lui dis, vous n'êtes pas la maman de monsieur, de Benjamin, tu vois. Elle me dit, si, c'est moi. Elle me dit, si vous voulez, on peut aller chercher. Je fais, le message était bien pour vous, c'est quoi le souci? Elle me dit, si vous voulez, mon mari peut aller récupérer vos enfants. Moi, je me suis dit, tout le monde n'a pas, vu qu'elle va récupérer ses enfants et mes enfants, et tout le monde n'a pas quatre sièges auto dans la voiture, tu vois. Je demande à mes collègues de bureau, je fais, mais ça vous paraît très chelou, vous, si je vous demande de me prêter votre voiture un quart d'heure pour aller faire un aller-retour.
Elle me dit, bah oui, carrément. Je dis, mais et toi? Elle me dit, bah oui, carrément, une voiture, ça se prête pas. Imagine, t'as un accident et tout. Je dis, mais les gars, on aurait pour un quart d'heure aller-retour. C'est super proche, tu vois. Il me dit, bah non, ça me paraît chelou et tout. Je fais, bah je vais passer. Et c'est quoi un message pour me dire? Je dis, bah j'ai dû passer pour une folle en fait, parce que là, j'aurais demandé de me prêter la voiture. Et je lui dis, et le fait que me propose de me ramener mes enfants, ça vous paraît? Et fait, si, ça paraît chelou aussi. J'ai, ah d'accord, on est d'accord, mais moi franchement, ça me choque pas. Je sais pas, je dois être débile, hein. Je dois être débilos, mais s'il y a quelqu'un que je connais, je sais que mes voisins, il y a longtemps, ils m'avaient. Enfin. Ouais, ça me choque pas en fait de prêter ma caisse à des gens que je connais de près ou de loin. Bref. Donc ils m'ont dit, ouais, si vous voulez, elle m'a dit, si vous voulez, il n'y a pas de souci, mon mari peut récupérer vos enfants et tout. Je vois, ma mère, c'est super gentil et tout. Il y a 18h, je sais pas, c'est cool, bah merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, merci infiniment. Et du coup, je me dis, bah je vais appeler monsieur pour lui dire de finir le taf plus tôt pour pouvoir être là et réceptionner les enfants quand ils arriveront ce soir, tu vois. Donc je l'appelle et j'entends des enfants derrière. Et je dis, mais t'es où? Il me dit, bah je suis à la maison. Je lui dis, mais pourquoi t'es à la maison? Il me dit, bah j'ai pas de voiture. Et je me fais, mais c'est pas possible d'être aussi débile. La débilité profonde de la putain. Parce que s'il pouvait pas aller chercher les enfants ce matin, le soir, c'est sûr qu'il pouvait pas non plus les déposer, étant donné que moi j'étais partie depuis 5h du matin au travail. Je suis complètement débile. Là, je crois que c'est à niveau étourderie, mais on est très très bien là. On est magnifique, on est extraordinaire. Donc du coup, j'ai envoyé un, mais j'ai dû passer pour une fois le numéro 2, parce que j'ai envoyé de nouveau un message à ma voisine pour dire, je suis désolée, je suis débile. Je suis débile. S'il peut pas aller chercher, bah il a pas pu les emmener non plus. Débile aussi. J'ai dû passer pour une débile. Oh là 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 là. Bref, c'est pas grave. Sinon, quoi de neuf? Bah, pas grand chose. J'ai vu une pote ce week-end et on a fait un petit peu les magasins. Donc du coup, je vous montrerai ce que j'ai acheté. J'ai acheté des. Bah du coup, avec mon frère, je suis débile. Hein. Mais avec mon frère, pour Noël, attendez-moi que j'ai une petite famille. Il n'y a qu'à mon frère que je vais faire des cadeaux. Et du coup, on était parti pour. Enfin, il était parti, il me dit, je lui dis, tu veux quoi, ma Josie? Il me dit, bah, je veux que tu participes pour mon MacBook, tu vois. Et au final, il me dit, toi, tu veux quoi? Je fais, bah, moi, à part les trucs Clutch, là, l'édition qu'ils ont fait, la Snow Fairy, il n'y a que ça que je veux, quoi. Et là, je vais lui envoyer un message, je vais lui dire, écoute, vu que Série craque de ouf niveau thune, je vais lui dire, m'achète pas de cadeau, je t'achète pas de cadeau, parce que si je te donne 100 balles et toi, tu m'achètes 100 balles de cadeau, au final, ça. Ça sert à rien, ça sert un peu à rien. Mais ça me fait chier d'être en mode. J'achète rien du tout, je fais rien, nani, nania, parce que je peux même pas faire plaisir aux gens que j'apprécie, tu vois, et honnêtement, ça me saoule. C'est. Voilà, j'ai hâte que tout ça soit derrière moi et que je puisse profiter de ma thune. Parce que là, tu vois, à ma société, on a eu comme un 13e mois. Et là, du coup, j'ai reçu ma paye ce matin. Et je suis wouh! Ça fait plaisir de ouf, tu vois. Et bah au final tous les sous je les ai mis de côté dans la petite cagnotte pour la maison. Donc voilà, c'est un petit peu relou. On a une autre discussion avec monsieur par rapport à la maison et donc du coup, je vais lui donner un petit peu plus, un petit peu beaucoup plus. Ça fait un quart de plus, grosso modo, hein, que. Un petit peu moins. Qu'est-ce qu'avait dit le notaire? Ce qu'avait dit le notaire. Donc voilà, il va y avoir pas mal de thunes que je vais devoir sortir de mes bottes. Donc voilà. Mais j'en ai marre un peu, ouais, de pas pouvoir faire plaisir aux gens que j'aime, c'est un peu chiant. Mais bon, j'ai acheté quelques trucs. Voilà, pour le secret de Santa, j'ai acheté quelques trucs. Réfléchi en fait. J'ai acheté peut-être des petites conneries à action avec mon argent à moi et quoi d'autre, je ne sais plus qu'est-ce que je voulais dire d'autre. Il y a d'autres choses que je voulais vous dire, mais là j'ai carrément zappé.
Ouais, parlons-en, mon compte Vinted. Franchement, merci de ouf parce que vous m'avez laissé pas mal de messages. Il y a même des gens qui m'ont envoyé des messages sur Instagram et tout. Franchement, vous êtes adorables. Mon compte Vinted, toujours pas de nouvelles. Je vous le répète, hein, j'ai été bloquée définitivement parce que j'avais tenté de vendre une brosse à dents électrique. Et en fait, je ne sais même pas si c'est parce que j'ai insisté sur le truc. Mais dans tous les cas, là maintenant, je sais que les brosses à dents électriques, t'as pas le droit de vendre des brosses à dents électriques. Neuves ou pas neuves, il y en a un des embouts peut-être. Mais des brosses à dents, à quel moment? À quel moment? Donc ouais, les brosses à dents électriques, t'as pas le droit d'en vendre sur Vinted. Je ne savais pas. Je n'ai pas, voilà, c'est sûr que... aide-toi moi, Ginette. On regarde pas. On regarde pas vraiment de ouf les mises à jour et tout, naninana. Mais ouais. Je sais qu'il y a une youtubeuse qui s'est déjà fait sanctionner. En fait, pourquoi c'est chiant Vinted? Parce qu'on va pas se le cacher. Vinted, ça permettait d'avoir une petite source de revenus. Pas de ouf, hein, mais ça me permettait d'avoir une petite source de revenus. Voilà, ça me permettait de... Exactement comme Elena l'a dit dans une de ses vidéos, que voilà, quand j'avais des partenariats avec... même si avant je fonctionnais pas comme ça, mais quand j'avais des partenariats avec Chine, plutôt que me creuser, me prendre la tête, je me disais, c'est pas grave, au pire, je mettrais sur Vinted. Si c'est un pull à 7 euros, à 5 euros, ça fera plaisir à un abonné, moi, ça me fera 5-7 euros. Quand j'ai des choses à la maison, je me dis, ah, vas-y, je vais faire du tri, je vais vendre sur Vinted. C'est vrai que Vinted était devenu, et pour moi, vraiment, vraiment, Vinted, c'est Vinted. Il y a Vinted. Vinted fait partie intégrante de ma vie, tu vois. Merci Nani, hein, de m'avoir mis là-dedans il y a quelques années. Et du coup, et là en dessus, je suis en train de me dire, ils veulent plus que je vende sur Vinted, mais ils veulent plus non plus que j'achète sur Vinted. Vous vous rendez compte de tous les trucs que j'ai achetés sur Vinted, Harry Potter et tout, même si maintenant je me suis calmée de ouf. Mais tous les trucs que j'achète. D'où? Alors, je trouve ça ouf parce que quand tu acceptes les conditions, quand tu t'inscris sur un site, tu t'inscris sur un site et voilà. Tu acceptes leurs conditions générales. Mais à quel moment un site peut te dire que à vie de ma vie, genre de ma vie, de je serais morte, parce que j'enfreins des règles, à vie, je serais foutu de Vinted. Et que t'es pas d'histoire de double compte et tout, nani nana, mais d'où tu me dis que j'aurais plus jamais le droit d'acheter des choses sur ta plateforme, en fait. Je trouve ça ouf de telles conditions aussi drastiques. Je trouve que c'est un truc de malade. Parce que c'est pas parce que t'es un mauvais vendeur que t'es un mauvais acheteur, tu vois. Donc, surtout qu'ils ont leur plateforme qui est calée, donc je vois pas comment tu pourrais être un mauvais acheteur. Donc l'un ou l'autre, enfin voilà, je comprends pourquoi tu dois mettre les deux. Enfin, je trouve ça hallucinant au final. Et il n'y a pas de plateforme qui ressemble comme Vinted. Donc voilà, je vais voir. Là, j'attends qu'ils me répondent et puis après, je ferai la méthode d'Elena par rapport à la CNIL, leur demander de supprimer toutes mes informations et de me recréer un compte une fois que je serai sûr qu'ils ont supprimé toutes mes informations. Après, le truc qui est chiant sur Vinted, c'est que moi, je me souviens plus à l'époque comment j'avais fait, mais étant donné que je vends des choses et qu'il y a beaucoup d'abonnés sur YouTube, bah déjà, je partirais de zéro. Mais bon, ça, c'est pas grave. C'est aussi que je m'étais pris la tête à... Bah après, tu me dirais, je pourrais toujours recommencer, mais à mettre une adresse qui n'existe pas pour pouvoir vendre en toute discrétion, en fait. Donc voilà, c'est con, mais ça me fait tellement yèche. Et là, tout à l'heure, j'aurais renvoyé un message ce matin parce que ça faisait 5 jours que voilà. Alors que tout le monde m'a dit, mais laisse tomber, c'est mort, ils te reprendront jamais. Mais j'ai envie de leur dire, mais s'il vous plaît, quoi, reprenez-moi sur Vinted. J'ai réussi à, avec un pote, à mettre des annonces sur le Vinted de mon pote, en fait. Mais voilà, j'ai mis 5 choses et des choses qu'on m'avait déjà demandées et qui étaient déjà en cours de voilà, sur mon Vinted à moi. Heureusement que je peux faire des recherches de membres et tout, mais par contre, ouais, c'est... Ça me saoule, hein. Honnêtement, ça me saoule. Et je suis au point, je leur ai envoyé un message ce matin, je leur ai dit, ouais, franchement, je vous promets, tu sais, comme une gamine, je vous promets, je dirais mieux les règles, je suis vraiment désolée, je suis en cours des séparations, j'ai vraiment besoin de cet argent, et j'ai besoin de vendre des trucs à vendre. Et vraiment, la meuf...
qui se rabaisse de ouf, hein, qui se rabaisse de ouf pour essayer d'avoir, pour essayer qu'on la reprenne tout simplement. Mais ouais, faites attention. Si encore tu me dis que t'es bloqué depuis 6 mois, je fais ok, ça marche. Et encore, ça me ferait chiant. Mais ouais, tu peux revenir en 6 mois, ça va. Mais là, c'est chiant. Et donc voilà. Et vu qu'il n'y a pas d'histoire de deuxième compte, de machin dessus, parce qu'ils vont capter ton adresse IP en fait. C'est un peu comme, tu sais, genre là, j'ai même peur que mon frère, quand il vient pour Noël, et ben il se connecte sur son Vinted et qu'on lui dise Eh non, monsieur Josy, votre adresse IP, elle ressemble fortement à quelqu'un qui s'est fait ban de chez Vinted. Donc vous, on va vous ban aussi, tu vois. Je sais pas comment ça va se passer, mais je trouve ça tellement abusé en fait. Donc voilà, je vais attendre leur réponse. Parce que j'ai envie de faire les choses carrées, parce que moi, étant donné mon Vinted, il était assez carré et beaucoup d'articles. Honnêtement, ça va me faire rien. Si je dois faire un compte Vinted, me connecter genre qu'au travail, et ensuite en refaire un autre, non, ouais. On verra. J'en ferai un quand toutes les choses seront carrées, quand ils ont répondu à ma réponse, à quand ils ont, quand ils me répondront. Mais c'est vrai que le service après-vente, de toute façon, est vraiment pourri. Bon là, je vais rentrer à la maison, du coup il y a monsieur qui est à la maison et les enfants. On va se poser une petite demi-heure et après du coup on va faire l'échographie de ma poitrine. Franchement c'était long ce rendez-vous. Donc on va faire l'échographie de la poitrine. Je vous avouerai que j'ai un petit peu peur de ce qu'ils vont me dire. Tout ça. Mais on va voir ça. Voilà, ne stressons pas avant de stresser. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à plus. Un bus et bienvenue dans un nouveau vlog. Bisous les loulous. Salut les gars, c'est un de ces bordels dans cette chambre d'amis, je ne te raconte pas la douleur, un truc de ouf, et j'ai les lèvres défoncées. Les loulous, il est 17h, je viens de rentrer du taf, je suis bonne mamie, on a l'habitude. Je voulais vous montrer sommairement, parce qu'au final je vous ai dit mais j'ai rien acheté, j'ai acheté des cadeaux de Noël, j'avais carrément oublié. Bah oui, j'ai un bouton qui pousse là, j'ai essayé de l'éclater, j'ai donné toute ma puissance devant le miroir pour l'éclatasse, je n'ai absolument pas réussi. Au travail, oui, je voulais vous montrer les cadeaux de Noël, parce qu'au final j'ai fait des petits cadeaux de Noël, et monsieur aussi a fait des cadeaux de Noël, donc je vais vous montrer ça. Voilà, je me dis que ce serait toujours sympathique de vous montrer les cadeaux de Noël. Je vous explique pour les enfants. Pour les enfants, j'ai fait mes cadeaux de Noël hier au travail vers midi. Par contre, Amazon, voilà, je suis pas pour Amazon dans le sens écologie, machin, tu bidules les proximités, les commerces de proximité, c'est bien et tout. Mais il n'y a pas à dire quand t'es en galère, tu sais pas quoi acheter, que t'as la flemme de faire les magasins quand t'as pas le temps. Mais Amazon, c'est tellement la vie. Parce que j'ai reçu, il me manque qu'un cadeau. Ah oui, éloigner les enfants, les petites oreilles. On va dire que j'ai fait les cadeaux d'anniversaire. Pour les cadeaux d'anniversaire, voilà. Bah, j'ai dit n'importe quoi pour Noël. N'importe quoi, les cadeaux d'anniversaire. Donc voilà. Là, c'est bordel. J'étais à Action hier, je vous ai dit que j'avais été chez Action. Je sais pas, mais là, j'ai un truc pour faire. Là, hop. All Action demain, all Vinted demain. Laisse au Vinted. Bah oui, Vinted m'a toujours pas répondu. Et bon, je pense qu'on va faire autre chose. Hein. On va partir sur autre chose. Ça me vénère. Mais ne pensons pas à ça. Pourquoi je me gratte? Je sais pas. Bref, qu'est-ce que c'est? J'en peux plus. Bref. Je vais vous montrer les cadeaux de Noël que j'ai fait et que monsieur... Les cadeaux d'anniversaire que j'ai fait et que monsieur a fait. En premier, il a pris ceci pour son frère. Hop, son frère aime beaucoup... comment ça s'appelle? L'astrologie, machin, enfin les... Bref. Il a pris ça, je trouve ça super joli. C'est dans un cadre, il a pris ça sur Etsy. Hop, c'est censé être une météorite. Ouais, un petit fragment de météorite dans un cadre comme ceci. Je trouve ça assez joli, assez mignon dans un cadre comme ça. Hop, et du coup avec, tu as le petit certificat de garantie, tout ça. Ah non, bon, ça je trouve ça chouette. Moi j'ai pris pour le Secret Santa, je vous montrerai quand je lui ferai ça, quand j'aurai fini mon haul action, parce que hier j'étais à Action, du coup j'ai acheté des choses pour continuer
de faire mon petit truc parfait de secret de Santa. Du coup, j'ai pris à ma collègue de taf ce petit, vous le connaissez sûrement, Snow Fairy. Mais ça, ça coûte 10 balles. Ça coûte 10 balles. Ok, le Snow Fairy, c'est un gel douche. Désolée si j'arrive pas à parler, mais c'est un gel douche de chez Lush. Édition limitée spéciale pour... elle m'a trouvé ça ridicule, mais si elle savait que ça coûte 10 balles ce truc-là. Édition spéciale pour la fin d'année. Et je lui ai pris également... Est-ce que j'ai pris le bon purifiant éclat? Oh, je sais pas. Je lui ai pris aussi également un masque de The Body Shop. Oui, c'est bon, c'est celui-là. Un masque Body Shop qui est purifiant. Et pour te purifier et pour... purifier le message pour le message, purifier le visage et avoir un teint un petit peu plus clair. Donc je lui ai pris ça et ça, et je lui ai rajouté des petites conneries que j'ai eu que j'ai acheté chez Action. Je vais faire un joli panier garni, mais je vous montrerai ça une fois que j'aurai fini mon haul demain. Normalement demain je fais je fais mes vidéos. Monsieur a pris ceci aussi pour la petite nièce, sachant que moi je vais lui offrir aussi, même si je n'y vais pas, je vais lui offrir aussi le plaid de Friends que j'avais eu en collaboration avec Shein. Et il lui a offert, il m'a demandé de lui prendre un petit mascara comme ceci d'un Marquico, un mascara bleu, voilà, parce qu'elle aime bien se maquiller en bleu. Je pense que c'est le bon. Hop, je trouvais ça sur Amazon aussi. Il m'a dit de commander ça sur Amazon, alors que qu'au final... bah j'aurais pu l'acheter directement, mais bon, c'est pas grave. Faut que j'aille chercher mes enfants dans 10 minutes, ça me saoule. J'avais pris pour mon frère 9,99€ des chaussettes choco grenouille. Comme si, j'ai trouvé ça chez Célio, je crois. Je crois que c'était chez Célio ou chez Jules. Je crois que c'était chez Célio. C'est même pas marqué. Je sais plus, c'est 9,99€. Et ouais, des chaussettes choco grenouille qui sont. On verra rien, mais en fait, elle est petite. Voilà, t'as les petites grenouilles en fait dessus. On ne voit pas grand chose, mais tu les devines là et là et là et là. Et je trouvais que l'emballage était sympa. Très 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 sympa. J'aime beaucoup l'emballage. On a envie de le garder. On a envie de le garder. Et pour mon frère, je lui ai pris également la crème Rituals que j'aime trop. C'est la gamme Homme et le gel douche Rituals. Alors avant c'était Ritual of Samurai. Maintenant ils ont changé de packaging et je trouve qu'elles sont un peu moins bien, moins fortes, moins l'homme costaud viril. Donc voilà, un petit peu déçu, mais je lui ai pris ceci. Pour la chouquette sur Amazon, j'ai commandé des cartes comme ceci Pokémon. Alors j'ai hésité à lui prendre des boosters, des machins, des trucs pour qu'elle ouvre vraiment. Mais au final, là, t'avais 60 cartes pour 24€. J'essaie de vous mettre les liens en barre de description. 60 cartes pour une vingtaine d'euros. Alors que les autres, on avait vraiment pas beaucoup. Donc là, des cartes en français. Pokémon comme ceci. T'en as 4 holographiques. T'as Pikachu. Il est trop mignon. Hop. Pikachu. Merci. Pika pika. Et donc voilà, t'as plein de cartes. Elles sont rangées par ordre, par couleur. Donc voilà, ça va lui faire plaisir. Elle voulait encore des cartes Pokémon. Donc je lui ai pris ça. Et je lui ai pris un piano. Elle voulait un piano. Allô. Je lui ai pris un piano. Il devrait arriver demain normalement. Pareil sur Amazon. Un piano rose. J'ai galéré pour trouver un piano joli. Enfin, c'est pas un piano. C'est plus un synthé, on va dire. Donc ça... Je vais le cacher là, voilà. Et pour mon chouki, je lui ai pris. Il voulait un circuit. En fait, il a plein de circuits et tout ça, qu'il kiffe les voitures. Et c'est vrai qu'il aime bien la construction, tout ça, ce genre de choses, et qu'il est très pas maniaque, mais voilà, il aime bien assembler les choses et tout, prendre son temps pour les trucs. Et j'ai pris ceci, je crois que c'était 64€ sur Amazon. Bon, je suis bête parce qu'au moment où vous verrez la vidéo, Noël, ce sera. Non, ce sera pas encore passé. Je vais trouver ça, je trouvais que c'était pas mal. C'est de la marque Kingcraft. Et je trouvais que c'était bien le fait qu'il y ait une boîte en fait comme ceci. Et cet élément là est un élément du circuit en fait. Tu vois là. Et tu vois. Et c'est tout simplement un circuit en bois. Comme ceci. Bon, après tu peux rajouter d'autres pièces et tout ce que tu veux. Mais voilà, bon, c'était un peu cher quand même, je trouve. Mais alors ne me dites pas, il y a le même à Lidl. S'il vous plaît. Mais dites pas ça. Et voilà, je vous dirais que là je me suis pas pris la tête. Mais voilà, je lui ai pris ceci. Il y a des petits éléments et tout, la petite grue, tout ça, il y a un petit train et tout. Je trouve ça super sympa. Mais je crois que le tout est un peu aimanté. Tu vois, les véhicules ils sont aimantés. Alors je trouvais ça cool. Hop, et c'est transparent en fait. Donc c'est très très
sympathique. Je pense que mon chouki il va kiffer. Faut que je planque ça, parce que vu que c'est pas tout de suite l'anniversaire, il faut que je planque ça quelque part. Je ne sais pas du tout. Ça va que j'ai plein de colis. C'est vrai que j'ai plein de colis de partout. Mais hop, il faut quand même faire attention. Il faut quand même faire attention. Une chaussette sale. On adore. C'est tout ? Oui, mais c'est tout. J'ai pas acheté grand chose. Faut que je me dépêche. Je vais ouvrir le calendrier de Nani. Bah oui, Nani elle va me défoncer. En plus, j'ai vu sa vidéo. Quoique, Nani, hein, Nani, j'ai envie de te dire, toi, t'as ouvert tous mes cadeaux en même temps, hein. Et putain. Et quand j'ai vu sa vidéo, j'ai fait, mais putain, j'ai vraiment acheté des trucs nuls. Ça me saoule. Parce que. À un moment, elle voit un truc, elle dit, oh, mais elle m'a pas quand même pris une bouteille d'eau. Bah si, j'ai pris une bouteille d'eau. Mais Nani, la bouteille d'eau, la Moroku, c'est la bouteille, la. Meilleur du monde. Oui, j'avoue, c'est nul une bouteille d'eau, mais en plus, maintenant que j'ai plein d'idées pour t'offrir, sûr, ça me saoule. Franchement, j'ai envie de me claquer. Mais la Moroku, je voulais te la faire goûter. Je savais pas si t'aimais ou pas, je savais pas, mais cette bouteille d'eau est trop bonne. Après, tu vas me dire, mais qui offre une bouteille d'eau pour un swap? Je suis d'accord, mais voilà, l'objectif était de faire découvrir des choses. Et je savais pas si t'avais déjà testé cette bouteille d'eau. Mais j'avoue, j'aurais dû, maintenant que j'y pense. J'aurais dû t'offrir autre chose comme liquide en plus, mais le truc que je voulais t'acheter, tu l'aurais pas bu parce que c'est grave trop sucré en fait. Je pense pas que tu aurais kiffé. Et elle, quand je vois les paquets blindés qu'elle m'a fait, j'ai juste trop honte. J'essaierai de me rattraper, Mélanie, je te jure. J'essaierai de me rattraper, je te jure. Numéro 3, c'est marqué soirée apéro. Donc du coup, à la base, c'est un swap qui doit durer une semaine. Et Nani, c'est sur. Exclusivement un peu comme la Degusta Box. D'ailleurs j'ai toujours pas reçu mon calendrier d'avant. Et en fait elle m'a fait plusieurs paquets par rapport à un plat dans la journée ou à un événement, tu vois. Donc là c'est apéro. Donc elle m'a mis des chips. Wouh. Elle m'a mis une. Ouh putain, ça me saoule. Je suis vraiment une copine de merde. Elle m'a mis des chips au poulet saveur braisée. Et elle m'a mis, mais pff, tu me saoules. Ça a l'air trop bon. Je suis vraiment nulle. J'ai honte de moi. Franchement, j'ai honte de moi. Et quand je vois. Alors, c'est pas une histoire d'argent en fait. C'est une histoire que je me suis pas assez cassé la tête. En fait, voilà. Parce que je. En fait, juste pour le swap, moi je vais pas me justifier, mais pour le swap, je voyais que des bonbons, je voyais que des gâteaux, tu vois. Et même des trucs que j'avais acheté et que je me suis dit, mais en fait, c'est nul, tu vois. Genre ça, tu vois, j'ai pris les gâteaux comme ça, je me suis dit, mais c'est nul, elle va pas kiffer, tu vois. Donc il y a ça, il y avait d'autres gâteaux, je sais plus ce que c'était, du coup j'ai gardé, je me suis dit, elle s'en fout. Donc voilà, tu vois, je vais pas souvent, bon, bref. Elle m'a mis de la tapenade, enfin espèce de tapenade, ouais. Artichaut mascarpone, tomate cerise et concassé d'olive, olive noire et olive verte. Mais attendez, c'est pas fini. C'est pas fini du tout, parce qu'elle m'en a mis un autre, donc de la marque Maille. C'est tomate séchée, pointe de basilic. Ça doit être une tuerie, Nani, je connaissais pas du tout. Alors, après, moi, j'avoue, je suis plus partie sur les trucs que j'adore, en fait. Sur les trucs que j'adore. Et il n'y a pas beaucoup de trucs que j'adore en grande surface. Moi, de toute façon, j'ai rien acheté de la grande surface, à part des gâteaux, plus des trucs de grand frais. Mais j'ai pas l'habitude. Donc, je sais pas si toi, en fait, t'es partie dans le même délire, si ça, tu connais et tu kiffes de ouf. Ou alors si c'est des découvertes pour toi, j'en sais rien. Et en plus, par-dessus le marché, elle m'a mis une terrine de canard au poivre vert. Comme ceci. Ça a l'air juste trop, 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 trop bon. Et bien sûr, elle m'a mis un 4 bis qui dit, apéro dit, bière. Donc, du coup, elle m'a mis deux morts subites, comme ceci. Oh c'est trop bien ça, la cerise de bière comme ceci, que je vais bien planquer parce que je veux que ce soit moi qui les boive, les petites bières. Donc trop cool, ça c'est trop cool, surtout que c'est la cerise, franchement je kiffe de ouf. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération comme à chaque fois. Et voilà, donc franchement c'est super cool, désolé, je suis exposée, je suis claquée et je vais aller chercher mes enfants dans 5 minutes. Et Angel, et relou, oui chatou. Et quand je me rends compte de ce bordel que j'ai là, je me dis, mais je vais jamais m'en sortir. Je me suis couchée hier à 21h30, pourtant je sens que je suis fatiguée, ça va être compliqué. Et ouais, faut que je me dépêche, faut que j'aille chercher
les gosses. Et après la routine, nanani, nanana, toi-même tu sais. J'ai hâte d'être à ce soir, de pouvoir enfin me poser, de mettre mon colis Binti d'un côté, les autres trucs d'un côté, de pouvoir me dire demain je fais mon petit montage, blablabla. En attendant, je sais pas où je vais mettre les choses que je vais avoir potentiellement à revendre, que je ne garde pas, c'est un gros bordel. Franchement, sans Binti, c'est un bordel sans nom. Oh là là, c'est compliqué. Il y a pire, hein, il y a pire comme complication. C'est compliqué. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Voilà, demain ce sera un peu plus calme et je te remercie de ouf, Manani. Je vous dis à demain, je vous fais des gros bisous de fou. Coucou les loulous. Je vous mets cette séquence juste après la séquence de Nani. Même si du coup je filme alors que j'ai déjà fini le vlog et là du coup je suis en train de faire le montage de ce vlog, mais j'étais en train de tout faire et en fait je me dis mais j'étais en train, du coup j'ai re-regardé là, le vlog. Alors désolé si j'ai mal regardé et si j'ai pas les yeux en face des trous, mais j'ai l'impression que je vous ai pas dit alors désolé si je déconne à plein de tubes, hein, mais j'ai l'impression que je vous ai pas dit les résultats pour ma mammographie. Mon échographie. J'ai des fibromes, voilà, tout simplement. J'ai des fibromes, enfin des gros fibromes. Je dois refaire une mammographie. Je dois refaire une mammographie dans 6 mois pour voir l'évolution de la chose. Donc j'en ai quelques-uns. C'est très bizarre, hein. Je me suis pas de les nichons, ok. Mais j'en ai quelques-uns. J'en ai genre 2-3 ici. Et là, du coup, j'en ai un gros. Et elle a même l'impression qu'il y en a qui sont éclatés. Elle me dit, mais c'est vraiment chelou que... Parce que pour ceux qui débarquent, j'ai fait une opération, un lifting mammaire. Je me suis fait remonter la poitrine il y a 3 ans. 3 ans au mois de mars prochain. Et elle me dit, c'est bizarre que... Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y en a qui se sont éclatés suite à l'opération que vous avez faite. Et vu que vous avez dû passer des examens, oui j'ai passé des examens avant de faire cette opération, bah c'est chelou qu'on vous ait opéré alors que vous aviez déjà ça. Parce qu'elle me dit gros comme là il y en a un qui est vraiment gros, elle me dit c'est bizarre. Donc je fais ok, on aime, on adore. Donc voilà, ce sont que des, enfin que entre guillemets des fibromes. Je vous avouerai que on peut vivre avec des fibromes, il n'y a pas de souci, mais je trouve que quand même c'est gros. Je lui dis ben on laisse comme ça, on fait quoi? Elle me dit ouais ben on laisse comme ça, on fait un truc dans, franchement elle est gros. Elle me dit ouais on fait un truc dans 6 mois, après si vous dérange vraiment on peut l'enlever. Je vous avouerai, bon pour le moment c'est pas le cas des mes soucis, mais je sais pas si je pourrais rester avec une espèce de grosse boule là, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, mais là tu vois là la grande, enfin je sais pas si vous vous rendez compte de la grandeur du truc. Pouch. Tu vois, là je l'ai et pouch, là je l'ai plus, tu vois. Bref. Voilà. Dégueulasse la fille. Donc ouais, donc j'ai des fibromes, mais est-ce que vous, voilà, c'est pour ça que je fais ça, je fais pas ça pour le plaisir de me palper devant vous, mais voilà, est-ce que vous avez eu des fibromes au niveau des seins, des petits, des gros, des moyens? Est-ce que, comment ça s'est passé justement pour vous les faire enlever? Comment s'est passée l'opération? Est-ce que du coup on vous l'a enlevé et on vous a injecté, bah du coup, forcément, tu vois, si on enlève... un truc, même s'il est petit, enfin, s'il est, je sais pas, mais franchement, le truc, il paraît, je sais pas, j'ai pas un truc, mais il me paraît gros, enfin, ça m'a l'air d'être un gros calot aplati. Si on m'enlève un gros calot aplati, est-ce qu'on va me remplacer mon gros calot aplati par quand même de la matière? Voilà, j'ai grave besoin d'avoir votre avis par rapport à ça, et je vous remercie énormément pour tous vos messages, pour tous vos messages par rapport à la peur et tout. Parce que du coup ça m'a fait du bien de sentir que j'étais pas toute seule par rapport à ça. Donc voilà, c'est cool, j'ai pas de... Enfin pour le moment, voilà, il y a juste à surveiller et à voir l'évolution des choses. Donc franchement je suis contente parce que vu qu'en ce moment, malgré ce qui se passe, ça se passe à peu près bien, ça prend une bonne tournure, j'ai pas envie qu'il arrive un truc, enfin voilà, tu vois, pas maintenant, attendons un petit peu, tu vois. Donc c'est cool et voilà, je suis vraiment désolée si je vous ai pas... j'ai pas le souvenir, ou alors il y a une séquence qui a disparu, je sais pas du tout, il y a peut-être une séquence qui a disparu. Par contre on en parle du bouton là, comment ça s'appelle, Julia Roberts, hein, Julia Roberts The Witch, et puis là j'en ai un autre là, en mouche, et puis le... c'est compliqué, hein, ah, ma vie c'est compliqué en ce moment. Allez, je vous retrouve avec la pioute, avec mon petit Chouki, qui avait fait des bêtises, et voilà, donc je voulais juste vous dire ça, et je suis désolée si je vous l'ai dit, mais je pense pas vous l'avoir dit, et vu que je vais intituler ce vlog du style ça fait plaisir, ou plus de peur que de mal, ou je sais pas quoi, bah au moins je voulais vous dire, parce que bah ça fait presque 2 mois qu'on est sur cette grosseur au niveau du sein droit, et voilà, fibrome, voilà.
Allez, tchou. Coucou les loulous. Est-ce que ça va être comme ça tous les ans? Est-ce que tous les ans qui vont... Plus je vais avancer. Est-ce que... je vais me dire, mais... C'est déjà Noël? C'est déjà Noël? J'ai rien préparé. À quel moment ça se termine, cette histoire? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ce soir, j'ai un anniversaire d'une pote. Et j'ai tellement la flemme d'y aller. Tu peux même pas savoir à quel point j'ai la flemme. De ouf, je pensais vraiment vous avoir fait un petit peu plus de séquences dans ce vlog. Mais en fait, j'ai fait plusieurs séquences qui duraient un petit bout de temps. Voilà, un petit bout de temps. Je vais ouvrir les pochettes de Nani. Hop là. Repas rapido pour les soirs de flemme. Un pain entier de canard. Ça c'est... Nickel chrome, ça va être nickel chrome à Nani pour le taf justement, pour le taf. Pas forcément, oui, les soirs de flemme quand je suis au taf ou les midis. Ça c'est nickel chrome de la marque. Nos régions ont du talent. Merci beaucoup. Le canard c'est juste trop bon. Je sais pas le cuisiner. Gourmandise du soir. Là c'est pire que des gourmandises du soir. Elle m'a mis énormément de choses. Elle m'a mis beaucoup de choses. Hop, elle m'a mis des koalas de la marque Lutti. C'est marrant, c'est pas des ours, c'est des koalas. C'est trop mignon. J'adore, j'aime trop ça. Des biscuits, enfin des... Alors, des gâteaux, des... Oh. Et tablettes de chocolat au spéculoos. Et tablettes au chocolat spéculoos, mais version gourmande. Par contre, la tablette, elle est énorme. Elle est super épaisse. Hâte de tester ça, même si je suis pas fan du spéculo, je pense que le chocolat spéculo ça peut être plutôt pas mal. Ça j'adore. Du chocolat avec une petite pointe de framboise et un au caramel croquant. T'as l'air juste trop bon. Et dans le dernier pochet, d'après ce que j'ai compris, parce que du coup j'ai regardé sa vidéo de la semaine dernière, là c'est spécialement pour les enfants. Donc du coup, alors c'est marqué pour les enfants. Du coup elle m'a mis... Oh, c'est quoi? Oh, trop bien! C'est des sucettes. Des trucs. Des espèces de petits pieds ou je sais pas quoi. Je crois que c'est ça. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Le petit pied. T'as acheté ça où, Nani? Et tu trempes dedans et après, c'est assez acidulé. Ça, c'est trop bien. Tu as mis trop de choses. Oh, c'est trop mignon. T'es en amour. Je vais en mettre sous le sapin. Et deux tablettes de chocolat comme ça. T'as un petit trésor. Franchement, merci beaucoup. Trop choupi. Plein de petits paquets de petits bonbons comme ça, il y en a plein. Et hop, des langues de chat qui piquent, des rubans qui piquent, c'est trop chouette, franchement c'est trop chouette. Ça va leur faire grave plaisir, comme ça il y en a pour la maman et il y en a pour les enfants. Franchement ça c'est grave cool, j'aime trop les tablettes de chocolat, franchement elles sont trop mignonnes. J'aime trop les trucs comme ça parce qu'il y a plusieurs, tu sais, t'as chocolat noir, chocolat blanc, t'as plusieurs, enfin le mélange est assez bon en fait. Je kiffe de ouf, mais franchement, ma Nani, merci beaucoup. Je vais descendre ça directement dans la cuisine. Ça va être grave cool. Et je pense que les bonbons... Non, faut que j'arrête. Franchement, en ce moment, je mange que des bonbons. Je m'engraisse, mais d'une puissance. Tu vas me dire, oui, c'est Noël, il faut s'engraisser. À un moment donné, les gars, faut arrêter. À un moment donné, les gars, faut arrêter. Programme du jour. Bonjour. Programme du jour. Monsieur est parti faire des courses. Les courses de fin de Noël. Toujours à la bourre. Toujours à la bourre. On aime, on adore. Du coup, je suis avec les enfants. Je pense qu'on va regarder un petit dessin animé. Mais là, j'étais en train de faire la maman autoritaire. Parce que c'est un peu le bazar et tout en bas. Et voilà. Ce matin, j'ai joué avec la chouquette. Plus avec la chouquette que Chouki qui était en train de jouer aux voitures. On a fait un puissance 4. Donc, c'était cool. J'ai mal au ventre. Quoi d'autre? Non, franchement, rien de... Ce soir, j'ai une soirée de prévu. Je vous avoue que j'ai la flemme. Moi, je sors. Moi, j'ai envie de sortir. J'ai la flemme de ouf. Mais voir que... Enfin, je me connais. Hein. À chaque fois, j'ai la flemme de l'année. Mais quand j'y vais, je suis super contente. Et quand je rentre, je me dis, putain, mais j'ai passé une super bonne soirée. C'est toujours comme ça avec moi. Mais j'ai toujours... Est-ce que vous êtes aussi... Alors, est-ce que vous aussi, vous avez la flemme de sortir, de s'apprêter, patati patata, en plus mes cheveux sont dégueulasses, faut que je fasse quelque chose. Ah, j'ai une réponse de Vinted, je suis bannie à vie, voilà. On aime, on adore, bannie à vie à cause d'une brosse à dents électrique, voilà, parce que t'avais mal lu les conditions générales de vente et tu ne savais pas qu'une brosse à dents électrique était interdite à la vente sur Vinted.
Non. Et ce qui est complètement con aussi, c'est que je suis interdit, j'ai plus le droit de créer de compte. Alors je vais faire, je vais faire appel, machin, truc, bidule, je vais hors de question que je passe ma vie sans Vinted. Parce que je me suis dit, je vends pas, ok, je vends pas, c'est pas grave, quoique quand même. Mais c'est surtout, comment ça je peux plus acheter? C'est parce que t'es une mauvaise vendeuse que tu vas être un mauvais acheteur, c'est n'importe quoi. Donc tu vois, je m'occuperai ça après les fêtes de fin d'année, mais en attendant je vais demander à monsieur qui publie les annonces pour moi et qui utilise en fait son compte pour voilà quoi. Et s'il me demande de prouver, si ça bloque et qu'il me demande de prouver l'identité, bah en fait monsieur il a créé son compte bien avant pas bien avant moi mais il y a longtemps. Et donc du coup voilà, c'est pas une création de double compte, c'est bien lui, sa pièce d'identité, ce sera son compte bancaire là. Ils n'ont pas intérêt à me casser les goupillettes parce que j'ai bien lu les conditions générales de vente et voilà, c'est une personne, un compte. Et lui, il existe bien, il est bien humain, il a bien un compte bancaire. Donc voilà, ils ne vont pas me prendre la tête. Donc je vous donnerai son pseudo dans les prochaines vidéos. J'attends de voir qu'il me bloque et il leur dire non, mais en fait, non, c'est pas moi, c'est lui. Donc voilà, on va voir ça. Et sur ce, je vais vous laisser. Et du coup, je vous remercie pour ce vlog. Le mot de fin sera sushi. Demain, je vais acheter des sushis. Le mot de fin sera sushi. Donc, laissez-moi un petit commentaire avec le mot sushi. Qu'est-ce que tu fais? C'est bon? Tu viens faire un câlin? T'as rangé en bas? T'as rangé ou pas? Allez, viens là. Le mot de fin sera sushi. Montre pas ta tête, hein. Le mot de fin sera... Voilà, très bien. Le mot de fin sera sushi. Moi, je vous fais de gros bisous. On est dimanche, du coup, demain... demain, c'est la réveillon. Je vous souhaite un très bon Noël. Que vous soyez en famille, pas en famille, que vous soyez tout seul. Moi, je serai avec les petits zouzous. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà, que vous aimez Noël, que vous aimez pas Noël. Moi, j'aime pas forcément Noël, mais depuis qu'il y a les enfants, j'aime un petit peu plus Noël. Et voilà, donc du coup je vous fais des énormes bisous. Profitez bien, si vous êtes en vacances, profitez, reposez-vous. Il fait froid, c'est chiant, c'est pas une super période pour le moral et tout, c'est pas excellent. Mais ça va aller. Oh le javal, le bébé. Je vous fais des gros bisous, mot de fin sushi, voilà, faites attention à vous, faites attention à vos proches, faites surtout attention à vous et aussi à vos proches, mais ne vous oubliez pas. Des gros bisous. Et j'allais dire, est-ce qu'on se dit l'année prochaine? Je sais pas, j'ai pas le calcul. Mais voilà, de très très gros bisous. Et je vous ai même pas fait, je suis tellement à la bourre. Je me suis rendu compte que ce que j'avais pas fait, c'était les cadeaux pour les maîtresses. J'ai carrément oublié. Est-ce que j'avais pas fait non plus, c'est le concours spécial de Noël? Non, et petites agences, non plus, j'ai pas fait de cadeaux. C'est n'importe quoi, franchement c'est n'importe quoi. Ah mais là je te le dis, c'est... une organisation vraiment. J'ai hâte d'être que ce soit un peu plus calme et que je puisse avoir tous les neurones connectés dans mon cerveau parce que là c'est un peu compliqué. Je vous fais des gros bisous les gars et je vous dis à plus dans le bus. Bisous les loulous. Rio, Cancun, Marbella, toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela, j'ai la classe comme Manny Rivera. Cigario, dans le barrio, parfum vanilla, mucho dinero.